a vu ton, ton film hier, Les Figues en avril, et bien entendu s'imposer cette rencontre ensuite ici à la librairie, puisque tu écris. Et on a ici à la librairie deux bouquins, un tocard sur le toit du monde et nos rêves de pauvres. Voilà. Il y en a d'autres en fait, tu vas nous dire. Et donc nos rêves de pauvres, qui est le dernier en date. Bon, ah, c'est là. Voilà. Ah, voilà le micro. Il est là le micro. Mais bon, c'était à l'époque, c'était une cité qui était déjà par le fait que c'était une cité à taille humaine. Donc nous, il se passait plein de choses. Hein. Nous, c'est vrai que c'est dans une ville qui était vraiment ancrée bien, bien à gauche. Donc on arrivait à faire plein de choses. Bon, on va peut-être attendre le micro. Non, est-ce que vous m'entendez? Oui, allez, on la refait. Ouais, donc moi, j'ai grandi à Lille-Saint-Denis, donc pas très loin du nouveau Stade de France maintenant, parce que nous, quand on était petit, il n'y avait pas de Stade de France, c'était juste un grand champ. Et donc, c'est ce que je disais, j'ai eu la chance d'être né dans, quand même dans une ville qui était... Voilà, c'était une vraie ville de gauche, hein. Ce n'était pas une ville socialiste, c'était une vraie ville de gauche. C'était une ville coco, mais une vraie ville de gauche. Nous, à l'époque, on était petits, il y avait de l'éducation populaire. Et bon, moi, je ne suis pas là pour faire pleurer d'un chômeur, mais j'ai eu un parcours, peut-être pas classique, mais j'ai eu un parcours de jeune délinquant, entre guillemets. À l'époque, il y avait un type qui s'appelait Salah, qui était bac plus 5 il y a 30 ans. Enfin, c'était une tronche, c'est un type qui aurait pu toucher 3 briques par mois, donc il avait un diplôme d'ingénieur, donc il était vraiment top. Et lui, il avait eu une idée toute con, il avait transformé une salle de réunion dans notre cité en une salle de jeunes, une salle de quartier. S'il n'y avait pas eu toutes les rencontres, moi ça a commencé par ma mère, c'est ce que je montre dans le film, où j'ai eu une mère aimante quand même si elle ne savait pas lire et écrire, elle m'a donné ça, elle m'a donné tout son amour, elle avait une bienveillance. Pour moi. Moi, j'avais jamais lu de livre de ma vie, parce que pour moi, les livres, voilà, c'était pas pour moi. Pour moi, les livres, c'est un truc de riche. Enfin, bourgeois, les pauvres lisent pas, quoi. Donc, nous, les gens, tu vois, ils lisaient pas à côté de chez nous. Moi, c'est vrai que chez moi, il y avait, je sais pas si vous vous rappelez d'une émission qui s'appelait Ushuaïa, c'était sur TF1. Voilà, c'est une émission de. Un écolo. Hein, voilà, ouais, de l'ex et, mais... hein, écolo. Et là, donc, ils avaient fait une émission spéciale Australie. Ils avaient fait. Et nous, le soir, on aimait descendre avec mon pote Yannick, qui vivait au 11e étage. Et donc, il venait me voir. Et donc, on allait marcher, tout ça, parce qu'on avait marre de vivre, tu vois, autour de nos blocs et tout ça. Et on avait vu la même émission. Et type, il me dit, l'Australie, quand même. Ce qui nous a plu avec ce pays, c'est que c'était loin. C'était le plus loin possible, parce que nous, on en avait ras le cul de la France, donc on voulait aller le plus loin possible. Donc, c'était loin. Et puis on avait vu les plages, le sport. Nous, on faisait plein de sport quand on était gamin. Et lui, il venait de faire un Paris-Barcelone en 3 jours avec son vélo, avec d'autres potes. Et donc il m'a dit, viens à dire, on se barre, on va faire un voyage en Australie à vélo. Et on a vu dans ses yeux que cette idée lui plaisait. Et donc il nous a dit, ok, super, donc on va monter un projet ensemble. Donc lui, ce qui était bien, c'est qu'il n'était pas dans... pas dans l'assistanat pur et simple. Lui il était dans... Lui, en fait, il t'apprenait à pêcher pour que tu puisses pêcher après. Quoi. Donc, il nous a dit en gros comment fallait faire, à peu près. Donc, on a monté notre premier projet, Australie à vélo. En 9 mois, on a réussi à récolter 38 000 francs. Je me rappelle de tout ça, quoi. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas connu les francs, c'est 6 000 euros, à peu près. Comment on a fait, donc? On avait réussi à avoir, à l'époque, une bourse... des filles jeunes, donc par le ministère de la Jeunesse et des Sports, là, on a eu 15 000 francs. On a fait une couscous party. C'est ma mère qui a fait le couscous. T'as la mairie qui nous a prêté la salle. On a fait venir un petit groupe de rail et on a vendu les plats, je me rappelle, c'était 100 francs. La salle, elle était remplie, parce que donc les gens, les gens, ce qu'on leur dit, on disait que c'est 100 francs, il y aura de la bouffe plus le concert, et les 100 balles, ça va pour notre projet. Donc on a fait ça. Après, on a fait une paella partie. Et on a eu d'autres bourses. On a eu une bourse de la ville. Tout ça. Bon, bref, en 9 mois. Et je m'en rappellerai toujours parce qu'on est parti le 25 juillet 1993. Le 24 juillet, on a fait le tour des halls de notre cité
pour dire à tous nos potes qu'on partait en Australie. Il faut quand même recontextualiser le truc. Hein. En 1993, quand on est parti, il n'y avait pas des mecs de quartier qui partaient. Hein. C'était hyper. Et donc, on était vus comme des ovnis. Et ce qui est marrant, et ça, je me rappellerai toute ma vie, on leur a dit qu'on partait en Australie. Donc, ils nous ont dit, mais où ? Non, mais ne parlez pas ça. C'est qu'ils ne nous croyaient pas, alors que ça faisait 9 mois, tous les jours, qu'on leur disait, on prépare un voyage en Australie. Et c'est là que j'ai compris que le fatalisme, il était ancré. Et que, à force de, qu'on. Voilà, c'est vrai qu'à force qu'on lise dans les journaux, qu'on regarde la télé, à force qu'on soit vu comme des grosses merdes, et à force qu'on soit vu comme des êtres incapables, et ben, en fait, on avait fini par croire. Tu dis à un môme 50 fois que c'est une merde, et ben, le mec finit par croire. Et donc, on avait intégré le fait qu'on n'était pas incapable. Mais même nous, hein, même nous, on s'est dit, jusqu'au dernier moment, ça ne va pas le faire, quoi. Et ça a été pour moi ce premier voyage en Australie, là, donc on en parle le 25 juillet 1993. Non, en fait, on a pris un vol, on a fait Paris-Cairns, qui se trouve au nord, mais qui se trouve à 3000 km de Sydney. Et en fait, on a fait Cairns-Sydney de vélo. Et moi, je me rappellerai toute ma vie. Hein. Quand en fait, on s'est barré, quand on est arrivé là-bas en Australie, Cendrillon, 93. Toute ma vie, sans faire pleurer dans les chaumières, pendant 20 ans, j'étais l'arabe qui va t'arracher ça. Tu vois, vraiment, j'étais vu comme une grosse mère, j'étais vu comme une racaille à nettoyer au Karcher, pour citer l'autofure. J'arrive là-bas, je suis, tu vois, voilà, j'arrive là-bas, tu vois, il y avait les mecs et les meufs, elles faisaient aucune différence entre moi et Guillaume Canet. Pour eux, j'étais français. Donc, pour eux, j'étais un être exotique, comme par exemple, quand il y a un Suédois qui vient en France, tu vois, le mec, on ne traite pas de ça d'immigré, hein, parce que tu as quand même immigré. Hein. Tu as fait ceux qui viennent de pays riches, et t'as ceux qui viennent de pays pauvres. Et moi donc là-bas, j'étais un Français. Moi, j'étais un Français sans rien derrière. Moi, je n'étais pas un Français, mais t'es de quelle origine, hein, j'adore le rail. En plus, c'était pas tout ça. Les mecs, ils me prenaient pour un Français. Truc que j'étais. Parce que quand tu vis dans un pays, quand tu vends des pays, et j'étais aussi, en fait, arrogant que toi. J'étais en fait aussi fier qu'un Français. Et j'ai vécu là-bas pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois, c'est notre voyage, la durée. Et ça a changé le regard que j'avais sur moi. C'était Sartre qui disait, on est juif par le regard de l'autre. Ça marche aussi quand t'es arabe. Et donc pendant 3 mois, j'avais la cote avec les meufs. Profiter, quoi, de l'être. 3 mois, c'était super. 3 mois, j'ai vraiment vécu un truc de malade. Et je suis retourné à Paris, donc je crois que le 12 octobre 1993, déprimé en plus, il commençait à faire froid. Tu sais, je venais de vivre 3 mois où les filles te disaient bonjour, où les gens te faisaient des sourires, où tu avais des rapports normaux. Tu arrives en France, et ça, je m'en rappelle toute ma vie. J'arrive à Roissy, tu as une connasse de douanière là. Bon, ma vieille, mais elle commence à mal me parler. Je dis, putain, ça, bien sûr, c'est. Tu vois, je suis revenu en France. Quoi. Et là, j'avais qu'une seule idée en tête, bien sûr, c'était de repartir vivre là-bas. Quoi. Et donc, je me suis inscrit à la fac, voilà, juste pour gratter la petite bourse. Là, je sais pas, je crois que j'avais 15 000 balles de bourse. J'ai aussi trouvé un petit boulot pour avoir un peu de thunes. Et 9 mois plus tard, je suis reparti vivre là-bas, avec un petit pécule. Quoi. Et là-bas, j'ai été chauffeur de bus, j'avais pas de permis, laveur de chambre, prof de sport, alors j'avais pas du tout le diplôme, parce que c'est un pays, c'est les pays anglo-saxons qui sont comme ça. C'est que même quand t'as pas de diplôme, les gens ils te font confiance. Là, en France, si t'as pas fait l'ENA, c'est tombé, quoi. C'est mort, t'as fait l'ENA. Pour être prof de sport, voilà. L'ENA. Donc, voilà, là c'était juste pour recontextualiser. C'est vrai que c'était long, donc si vous voulez que je coupe, allez, moi, je coupe. Dans ce livre « Nos rêves de pauvres », ben, il y a effectivement un petit chapitre intitulé « Salah ». Donc ce que tu viens de nous raconter là, tu l'as raconté en partie dans ce livre. Alors, chronique de vie intime et universelle. Alors c'est, parle-nous-en un petit peu plus du programme de ce livre, où on retrouve ta mère, ton père, cette histoire, c'est-à-dire ton parcours. C'est vrai que je n'avais pas répondu à ta question, parce que du coup je m'égare. Et donc quand j'ai écrit ce premier bouquin, ça m'a bien sûr donné envie de faire d'autres trucs. Parce que c'est ça, je pense que l'appétit vient en écrivant. Et après j'ai écrit un livre sur Sarkozy.
qui s'appelait « Lettre verte à un fils d'immigré ». Alors ce livre, bon voilà, donc, voilà, je vais être cru comme il n'y a pas des gamins. Ce livre, c'était comme si j'avais eu une crotte dans le bide pendant 40 ans, quoi, et que tout sortait, quoi. Ça m'a fait du bien, ce livre. Et donc, en fait, ce livre, je l'ai écrit parce que c'était... quand Sarko a besoin de cours particuliers, ça allait, quoi. Donc, quand on veut, on peut. Quand lui, il part ici, et quand moi, je pars là, il y a un moment, ça va, quoi. Et puis, la France, là où tu la quittes, où il reprenait toute la rhétorique du FN, quoi. Donc, quand j'ai écrit ce bouquin, ça m'a décomplexé, quoi. Oh, ça m'a fait du bien. Et je lui ai mal parlé dans le livre, en plus. Enfin, tu vois, le mec, je lui ai dit « tu ». À l'époque, quand j'ai écrit le bouquin, il était ministre, tu vois, à l'intérieur, c'était le premier flic de France. Et j'avais justifié le « tu » en disant que tant que les flics de ce pays n'auront pas perdu la sale habitude de me dire « tu », je vois pas pourquoi je dirais « vous » quand je m'adresse à leur boss, quoi. Et donc, ce livre, il m'avait... Franchement, je suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je suis là pour qu'il y ait du débat, pour qu'on avance ensemble, quoi. On fait partie du même pays, on a le droit de pas être... D'accord, mais on a l'impression que dans ce pays, la liberté d'expression, elle est que pour les mêmes, quoi. Elle est que pour les dominants. Dès que tu viens d'un village, t'es un plouc. Quand tu viens de la banlieue, si tu parles avec colère, c'est ce que disait hier. Quand un bourgeois homme blanc parle mal ou parle un peu d'un air vénère, on va dire qu'il a du charisme. Quand c'est une femme, on va dire qu'elle est hystérique. Et quand c'est un mec de banlieue, donc on va dire que c'est un sauvage. Le mec, il a été mal élevé par ses parents. Moi, je revendique le droit d'être en colère, comme eux, comme tout le monde. Et c'est marrant, c'est que même face à la colère, on n'a pas le droit d'être en colère. Et dès que tu mets de la nuance dans tes livres, dès que tu parles d'universel, parce que moi, avant d'être un rebeu, je ne suis pas un rebeu, moi, ma mère, avant d'être une femme kabyle qui parle de ses enfants, c'est d'abord un être humain, c'est d'abord une femme. Donc, nous, il y a de la nuance. Moi, je suis capable... d'aimer, de ne pas aimer, d'être dans la souffrance, d'être dans la joie, quoi. Et ça manque d'universalité. Et ce qui dérange avec ce livre, c'est ça. C'est que c'est un livre universel où on peut tout se retrouver. Tu vois comment je l'ai quand même bien vendu, le livre. Mais en fait, je m'aperçois, je l'avais lu, hein, mais sur le bandeau, il y a quand même... En fait, c'est l'universel. Voilà. Terme très important. Oui, mais ça les dérange. Point, l'histoire d'une famille française. Ça, c'est important, aussi. Non, tu ne crois pas que ça puisse déranger, ça aussi, cette... Ouais, si, ça peut déranger, oui, c'est vrai. Oui, parce que la France... Et immanquablement, je dirais, tu as repris le portrait de ton père en couverture du bouquin. En fait, l'histoire de cette photo, c'est intéressant. Sur le mur de Malakoff, je rajoute qu'il y a donc cette image, et il y a marqué Chibani. Ouais. C'est pas rien. Ouais. Ouais, en 2009, t'as les confrères de Libération qui me passent un coup de fil parce qu'ils voulaient faire mon énième portrait. Ça, ils adorent faire des portraits. Pas comme ça, ça. Alors moi, j'ai du mal avec les portraits parce que ils servent un peu de ce que moi je suis devenu pour faire croire que c'est fastoche. Et que si tous les autres n'arrivent pas à rêver, c'est aussi de leur faute. Il n'y a pas de problématique sociale. Tu allais, même si tu es dans l'enfer populaire, même si tu ne sais pas les écrire, même si tu as été dans des écoles un peu pourries. Non, tu peux quand même les faire. Et c'est pour ça que j'aime pas les portraits, parce que je trouve que ça en fait donne une idée fausse du truc. Tu vois, bon, et donc, quand ils sont venus voir, moi j'ai dit, moi je veux pas de portrait, c'est bon. Hein. Bon, j'en ai marre, les gens connaissent ma vie. Et après, je leur ai dit, par contre, un portrait s'il y a mes parents qui sont ici. Donc il y a un type qui arrive, qui s'appelle... Le mec c'est un photographe de eBay. Quand le mec il est arrivé avec une grosse coupe et tout ça, le mec il n'était pas du tout coiffé, il avait une chemise. Et donc je me rappelle ce que ma mère elle m'a dit, mais en fait ce mec il sait prendre des photos. Parce que mon père et ma mère se basent aussi beaucoup sur l'apparence physique. Hein, quand même. Tu sais, ils savent qu'ils sont à l'ancienne. Pour eux, pour être vraiment crédible, il faut mettre une cravate, donc il faut être rasé, tout ça. Quoi. Enfin, le mec, il avait une grosse coupe. Et donc, le mec, il arrive, donc il commence à prendre quelques photos. D'où cette photo où il y a mon père qui remet sa cravate. Donc, il nous dit, voilà, vous mettez là, tu peux remettre ta cravate. Et le mec, il prend des petites photos, mais comme ça. Et nous, on ne sait pas quoi. Et quelques semaines plus tard, je fais la une avec mes parents de l'IB.
6 pages comme ça, et il y a ces photos-là. Et je me rappelle à toute ma vie, quand mon père il a vu cette photo, il a dit « Ah, c'est quoi cette photo ?» Parce que pour lui, mais comme plein d'anciens, je suis sûr aussi, ça va faire la même chose dans votre village. Quand on pose, on est droit. La preuve, c'est que mon père il avait sorti sa meilleure cravate, son meilleur costard. Quand on pose droit, on pose bien, on est bien rasé. Et donc, tu vois, ma mère, mon père, ils ont vu des photos. Ils ont dit, et bien, figurez-vous que cette photo, elle a gagné le 3e prix du World Press Photo en 2010. C'est une photo qui a fait le tour du monde. Moi, j'ai vécu en Australie, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'avais des amis qui habitaient en Australie, qui l'ont vue dans des galeries. C'est une photo qui a fait le tour du monde. Et quelques années plus tard, donc en 2016 ou 2017, je ne sais plus, j'ai un pote à moi qui s'appelle Vince, qui est un street artiste, qui a fait des graphes en Palestine, en Amérique du Sud. C'est vraiment super génial, il kiffe cette photo et la ville de Malakoff donc, lui avait donné carte blanche sur un mur d'immeuble. Et il m'a demandé, pour rendre hommage aux travailleurs immigrés maghrébins et tous les autres, les Polonais, les Espagnols, les Italiens, j'aimerais bien faire cette belle image de ton papa avec un article dessus, Chibani, qui veut dire les vieux travailleurs immigrés. Voilà. Et donc quand tu prends le périphérique, le jour où vous revenez vers la civilisation, vous prenez votre caisse, votre voiture, et vous arrivez à Porte de Vent. Et quand vous arrivez à Porte de Vent, vers la caisse,